Salut tout le monde, bienvenue dans le 11e épisode de Mystic Quest. Donc la dernière fois, nous avions terminé la grotte de la Méduse et obtenu la larme de Méduse qui était juste ici. Maintenant, il faut aller la porter à la ville de Jade. Oups. Pour sauver le frère de Amanda. Si j'ai bien suivi. Je me suis fait empoisonner par un scorpion, au secours. Je vais prendre la magie du soin. Et la magie de la vie. Des sous. Alors, c'est pas par là. Encore des sous. Avec tous ces rubis, je vais pouvoir jouer à Zelda. Aïe. Ah, c'est là. Non, je t'attends pas. Ok, alors. Ouais. Déjà, je voudrais retrouver l'auberge. Ouais, c'était là. Bonne nuit. Ensuite, si on allait vendre nos sacs de rubis, là. Non, vendre. Oula, j'ai du mal. Est-ce que j'en ai encore? Non. Pourquoi j'ai une armure d'or qui traîne là? Ah oui, parce que je l'ai trouvée dans la caverne. Bon bah je peux la vendre. Vu que j'en ai déjà une. Oups. Et donc voilà, je suis riche. Je vais juste prendre ça pour éviter de gâcher de la magie bêtement. Un petit coup de sauvegarde. Lui va pas me laisser passer. Je vais faire le tour. Ah! Mais oui, mais je sais. Mais non. J'ai déjà fait ça. Alors, je pense que c'est là qu'il faut aller maintenant. Oups. Donc, c'est sur lui que je vais utiliser la larme de Méduse. À utiliser les larmes d'Amanda. Lester fut délivré de la malédiction de Davia. Merci. J'ai une triste nouvelle. Amanda s'est sacrifiée pour te sauver, toi et... Me sauver? Oh, Amanda. Tu m'aideras à venger ma sœur, promets-le-moi. Il y a plein d'erreurs dans les dialogues en français, mais c'est pas grave. Oui, Lester. Merci. Partons, Chris. L'air magique, ouais. Ok. Tiens, alors vu que j'ai un nouvel ami, on va regarder ce qui se passe quand on fait aide. Autre musique. Ah, trop bien. Excellent, parce que c'était justement la musique que j'aime pas. C'est rigolo ça.
Non, celle-là, j'ai entendu dans plein de cavernes. Quoi d'autre? Ça, c'est un peu stressant. Quoi d'autre? Je pense que ça sélectionne aléatoirement, donc c'est tombé sur la même. Non, mais alors remets-moi la musique de l'extérieur alors. S'il n'y en a pas d'autre. Allez. Ah. Bon, bah il veut pas. Oups. On va essayer avec la lance. Oula, ça marche pas du tout. Tiens, change la musique, ça ira déjà mieux après. Mais non! Bon. Aucune arme ne marche. En tout cas, les deux que j'ai essayé. Est-ce qu'il faut utiliser la magie? Ouais, ça marche. Par contre, brûler du feu, c'est peut-être pas une bonne idée. Si on utilisait le gel. Ah, zut. Ok. Bon, par contre, ça va me coûter cher en magie si je fais ça dans chaque salle. Allez, on va faire un truc. Je vais essayer de changer la musique dans chaque salle. Ah, quelque chose là-bas. Jusqu'à ce que je retombe sur la musique de l'extérieur. Bon bah, ça peut durer longtemps comme ça. Fermé. Ça va pas être fermé longtemps. J'ai plein de clés. 13 clés. Cool, du noir. Eh, on est en boîte de nuit. Ah, je peux les tuer par en bas. Haha, yes. Allez, soyons forts. Tiens, j'ai pas fait ça encore dans cette salle. Autre musique? Non. Oula, ça a été une drôle d'énigme encore. Enfin, c'est pas vraiment l'énigme, c'est juste un... les dalles en sens unique. Bon, je vais faire demi-tour. En fait... Ah, voilà. Ça, c'est quand même une des meilleures musiques du jeu. Elle est beaucoup mieux que les musiques de donjons et de cavernes. Je me souviens que plus tard dans le jeu, il y en aura une autre musique d'extérieur qui est encore mieux. Donc je voulais aller voir là avant de continuer, parce qu'on dirait que là où j'étais, c'était la suite. En fait, je peux l'avoir par le nord ou par le sud, mais pas par les côtés, parce qu'il y a ces espèces de bras qui le protègent. Ces espèces de lames qui le protègent. Fermé. À sauvegarder de temps en temps. Blizzard. Toi, tu me fais vraiment pas peur.
Je sais pas où tout ça nous mène parce que... On a deux branches possibles pour explorer. Et je sais pas du tout par laquelle il faut commencer. Et puis là, ça se divise encore. C'est de plus en plus compliqué. Oula, je suis en train de mourir. Et le plan est pas d'une grande aide. Hein. Ah si, on voit quand même qu'on est allé dans l'autre salle. Attendez, en fait, je comprends pas bien, là. Apparemment, j'ai déjà visité cette salle-là. Ah, je suis là? Cool! Tiens, c'est marrant, ce trône-là. On peut passer à... Il y a des collisions très bizarres. Bon. Donc, c'est un raccourci. Ok, j'ai compris. Ça, ça poutre. Ouais. Allez. Eh, ça fait trop mal, les boules de feu, là. Oups. Donc là aussi, je suis déjà venu. Tout est lié. Eux, ils font trop mal, les machins noirs. Et ils sont très durs à éviter. Ouais, je prends une autre arme que l'épée, mais j'aime bien l'épée, alors je garde l'épée quand même. Non. Je veux le plan. Ok, d'accord. Donc j'étais arrivé par l'escalier là tout à l'heure quand j'ai décidé de faire demi-tour. Donc là c'est la suite, c'est le dernier chemin qui reste. Pétrifié. Est-ce que j'ai de quoi me dépétrifier? Peut-être le soin? Ouais, logique. Il y a de la logique dans ce jeu. Et mon bouclier me protège des boules de feu quand même. Alors, tiens, je vais sauvegarder. Ça, j'ai l'impression que c'est des piquants qui font super mal. Voilà, c'était bien ce que je me souvenais. C'est pas pour rien que j'ai sauvegardé juste avant. Au moins, il fallait vérifier. C'est marrant, j'étais toujours couché quand je suis réapparu. Et ça, c'est des piquants qui font moins mal? Ah, il faut quand même super mal. Mince. Tiens, on va prendre... X vie. Quoique, j'en ai plus beaucoup. Non, bah, on va continuer sur la magie de la vie, alors. Hop. Hop. 86, ça va mieux. Donc là, les piquants, ils m'ont enlevé 50 points de vie d'un coup. Ce qui est quand même beaucoup. Plus que la plupart des monstres. Volonté. Volonté, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, parce que logiquement, c'est pour faire augmenter ma barre de volonté plus rapidement. Je trouve qu'elle est déjà assez rapide. Alors, donc là, il faut sûrement trouver le bon ordre. Ouais, c'est du hasard. Je peux les tuer, ceux-là, en fait. Même dans le noir. Aïe. X vie, cool. Tiens. Alors, comment je fais? Ah, ça y est. En faisant un peu au hasard, j'ai fini par y arriver. Où suis-je? Là, je suis à un étage que je connaissais pas encore. J'aime bien cette attaque.
Je devrais plus souvent utiliser les attaques spéciales des armes. Allez, on continue. On est motivé. Vous me faites plus peur du tout. Cool. Un petit coup de sagesse. Faut être sage de temps en temps. Aïe. Bon, le noir, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus embêtant. Hein. Trop d'objets. Tiens, on va enlever le blizzard. Non. Là, tiens, on va l'utiliser. Ah, c'est la même chose que le gel. Bah ouais, c'est logique. Et on va prendre de la sagesse. Juste pour le fun. X-vie. Ça, c'est plus utile. Ah, mur fissuré. Pioche. J'ai déjà regardé ce qu'il y a ici. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Et là. Oulala. Allez, je refais demi-tour. En même temps, cette maison est gigantesque, hein, ça se voit de l'extérieur. Donc c'est normal. Oula, 9. Là, on va quand même faire quelque chose. X-vie. Deuxième X-vie. Tac. Eh, où tu vas comme ça, t'enfuis pas? Pourquoi il me tourne le dos? Cristal. Cristal, c'est quoi? C'est le... ah oui, le cristal, c'est le truc qui coûte 500. Qui se vend à 500. Pièce d'or. Pourquoi il se passe rien? Ça, c'est super louche quand même. Il y a une énigme qui m'échappe. Ne s'ouvre pas. Et peut-être que quand je suis là, elle s'ouvre. Ça voudrait donc dire qu'il faut transformer un ennemi en bonhomme de neige, le pousser sur l'interrupteur et essayer d'ouvrir la porte. Allez, demi-tour. Pourquoi eux ils reviennent et les autres ils reviennent pas? Personne. Allez, je réessaye.
toi. Je te laisse. Alors, c'est parti. Donc, magie du gel. Si on essayait de geler le feu. Ça y est. Je vais avoir du mal à le pousser, par contre, là. Ah si, c'est bon. Ah! Donc en fait, ça s'ouvre quand on pose un bonhomme de neige dessus. Ça s'ouvre pas spécialement en utilisant... en appuyant dessus nous-mêmes. La hache? Une nouvelle hache. Puissance d'attaque 51, sachant que l'épée c'était que 45. La lance 47. Et la vieille hache 39. Ah, ça poutre. Donc là, j'ai résolu une petite énigme annexe. Personne dans les espèces de cercueils là cette fois-ci. Une petite énigme annexe qui permet d'obtenir la hache. Et donc la suite, c'est bien ce que je disais, c'est par là-bas. Vous savez quoi, on va se reposer un petit peu. On va se mettre à table, puisque dans la prochaine salle, il y a une table et des chaises. Finalement, on est quand même dans une maison, hein, donc... faire une petite pause. Ah. D'abord, il faut nettoyer. Nettoyer la cuisine. Parce qu'il y a des... il y a des parasites. Ah, voilà. Allez, viens, à table. Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger de l'X-Vie. Ah. Ou plutôt boire de l'X-Vie. Et on va sauvegarder. Et on se retrouve après la pause, dans le prochain épisode. Salut.